1969, le jour où il a commencé vraiment notre combat. Je sens en vous cette arrache, cette envie de continuer vraiment à dire que rien n'est acquis. Rien n'est acquis pour les droits LGBT. Et que nous continuerons à nous battre ensemble, plus que jamais. Avec un peu de musique, mais surtout avec notre voix, avec nos revendications, et surtout en tenant en mémoire les personnes qui se sont battues en 1969 pour nous, et dont les personnes trans étaient les premières à dire non à les LGBT-phobies. On doit rendre hommage aux femmes trans qui, dans cette année, prostituées, migrants sans papier aux États-Unis, ils ont dit non, on arrête et stop, on est tous égaux et on va continuer ici aujourd'hui à tenir en compte que cette mémoire, il doit rester et qu'il doit être transmise à toutes les nouvelles générations de personnes LGBT et autres. On est à Paris, on a eu l'opportunité de faire cette manifestation et ce n'est pas le cas à Istanbul, en Turquie, où la manifestation, la marche de fierté, a été annulée et on doit crier fort non, 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 non. On ne va pas rendre hommage seulement